Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église et nous en sommes rendus à la question numéro 114 du compendium qui est « Quelle a été l'attitude de Jésus envers la loi d'Israël ?» Bien voici une brève réponse. Jésus n'a pas aboli la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, mais il l'a portée à son achèvement en lui donnant son interprétation définitive. Il est le législateur divin qui exécute intégralement cette loi. D'autre part, par sa mort expiatrice, en serviteur fidèle, il offre le seul sacrifice capable de racheter toutes les fautes commises par les hommes sous la première alliance, voire Hébreux 9,15. Et donc, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 577 à 582 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Jésus a fait une mise en garde solennelle au début du sermon sur la montagne, où il a présenté la loi donnée par Dieu au Sinaï, lors de la première alliance à la lumière de la grâce de la nouvelle alliance. Nous lisons en Matthieu 5. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ces moindres préceptes sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Jésus, le Messie d'Israël, le plus grand donc dans le royaume des cieux, se devait d'accomplir la loi en l'exécutant dans son intégralité, jusque dans ses moindres préceptes selon les propres paroles. Il est même le seul à avoir pu le faire parfaitement. Les Juifs, de leur propre aveu, n'ont jamais pu accomplir la loi dans son intégralité sans en violer le moindre précepte. C'est pourquoi, à chaque fête annuelle de l'expiation, les enfants d'Israël demandent à Dieu pardon pour leur transgression de la loi. En effet, la loi constitue un tout, et comme le rappelle saint Jacques, aurait-on observé la loi tout entière si l'on commet un écart sur un seul point? Eh bien, c'est du tout que l'on devient justiciable. Jacques 2,10. Ce principe de l'intégralité et de l'observance de la loi, non seulement dans sa lettre, mais dans son esprit, était cher aux pharisiens. En le dégageant pour Israël, ils ont conduit beaucoup de Juifs du temps de Jésus à un zèle religieux extrême. Celui-ci, s'il ne voulait pas se résoudre en une casuistique hypocrite, ne pouvait que préparer le peuple à cette intervention de Dieu inouïe que sera l'exécution parfaite de la loi par le seul juste à la place de tous les pécheurs. L'accomplissement parfait de la loi ne pouvait être l'œuvre que du divin législateur, né sujet de la loi en la personne du Fils. Voir notamment Galates 4,4. En Jésus, la loi n'apparaît plus gravée sur des tables de pierre, mais au fond du cœur du serviteur qui, parce qu'il apporte fidèlement le droit, est devenu l'alliance du peuple. Voir notamment Isaïe 42. Jésus accomplit la loi jusqu'à prendre sur lui la malédiction de la loi, encourue par ceux qui ne pratiquent pas tous les préceptes de la loi, car la mort du Christ a eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance. Voir Hébreux 9,15. Jésus est apparu aux yeux des Juifs et de leur chair spirituelle comme un rabbi. Il a souvent argumenté dans le cadre de l'interprétation rabbinique de la loi. Mais en même temps, Jésus ne pouvait que heurter les docteurs de la loi, car il ne se contentait pas de proposer son interprétation parmi les leurs. Il enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non pas comme les scribes. Matthieu 7. En lui, c'est la même parole de Dieu qui avait retenti au Sinaï pour donner à Moïse la loi écrite qui se fait entendre de nouveau sur la montagne des Béatitudes. Elle n'abolit pas la loi, mais l'accomplit en fournissant de manière divine son interprétation ultime. Vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, moi je vous dis, etc. Matthieu 5 notamment. Avec cette même autorité divine, il désavoue certaines traditions humaines des pharisiens qui annulent la parole de Dieu. Allant plus loin, Jésus accomplit la loi sur la pureté des aliments, si importante dans la vie quotidienne juive, en dévoilant son sens pédagogique par une interprétation divine. Rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller. Ainsi, il déclarait pur tous les aliments. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins perverses. Marc 7. En délivrant avec autorité
divine, l'interprétation définitive de la loi, Jésus s'est trouvé affronté à certains docteurs de la loi qui ne recevaient pas son interprétation de la loi, garantie pourtant par les signes divins qui l'accompagnent. Ceci vaut particulièrement pour la question du Shabbat. Jésus rappelle, souvent avec des arguments rabbiniques, que le repos du Shabbat n'est pas troublé par le service de Dieu et du prochain, qu'accomplissent notamment ses guérisons.